Et bonjour à tous, c'est Béronard et bienvenue sur ce nouvel épisode de The Island. Alors, comme promis depuis un certain temps, on va commencer à faire la Timing Cage. Alors, j'ai déjà un petit peu commencé, parce que ça c'est un petit peu fastidieux. Donc là, moi je fais du 7x7. Donc j'ai 7x7 au niveau de... au niveau du sol. Ensuite, là, ici, j'ai mis deux fondations en pierre, d'accord, sur pas sur la première ligne mais sur la deuxième ligne, hein, de fondation. Alors maintenant je vais aller chercher les, on va voir si j'en ai fait assez. Je crois pas que j'en ai assez, je m'en rappelle plus combien il en faut. Donc des dinoportes. Bon, ça je vais laisser là. On va mettre la première en tout cas. On passera après ça, on mettra les suivantes. Alors voilà, là on les met bien dessus. On va en prendre une autre. Alors celle-ci on la met légèrement inclinée. Je vais faire la même chose pour l'autre côté. Alors des fois c'est un peu plus, voilà, comme ça. Vous voyez, là elle se positionne, donc là elle est positionnée mais en suivi, enfin en continu. Hop, voilà. Et ben, il va m'en falloir un peu plus. Celle-ci on va la mettre comme ça. Donc là j'en ai mis 4, il m'en faudra encore donc 1, 2, 3, et ben il m'en faut encore 4. Donc je fais ça et on se reprend. Bon, on se reprend, il pleut mais il n'y a plus de brouillard. Il y a eu du brouillard tout à l'heure donc j'ai été obligé d'attendre un petit peu. Allez, on va continuer à mettre les cadres de porte. Vous voyez, là il bouge, on peut le faire bouger. Quand on clique là, on sent, voilà, là il s'est fixé. Ok, alors maintenant on va revenir. Donc là, il faut qu'il soit incliné. Voilà. C'est un petit coup de main à prendre. On a nos cadres qui sont mis. Alors maintenant les fondations en pierre. Donc j'en ai mis déjà ici, hein, comme je l'ai vu tout à l'heure. Alors là, il faut les mettre. Donc là c'est chiant à mettre. Voilà. Hop. La deuxième, on la met comme ça. Ce sera plus simple. Alors là, après avec la souris, il faut vraiment pas bouger. Le plus simple c'est de se mettre comme ça. Le plus simple c'est de se mettre vers la fondation. Ça c'est le truc qui est pas... Voilà, merde, ça y était. Là. Voilà. C'est le truc que je reproche un peu à Arx, c'est... Des fois le placement au niveau de la construction, des fois c'est un peu chiant. Alors, là j'y étais. Voilà. Ok. Donc il va vous falloir 8 dinoportes. Moi je l'ai fait en pierre, c'est quand même plus solide parce que les bestiaux qui vont être dedans, des fois ils vont vouloir attaquer les fondations, donc ça dure un peu plus longtemps. Donc j'ai dit 8 dinos cadres de dinoportes.
Allez. Donc du coup, comme il faut deux trucs par cadre, donc ça vous fait 16 fondations en pierre. Enfin, pas fondation, mais comment ça s'appelle? Cadre de fin. Un truc pour enclos en pierre. Fondation en pierre pour enclos. Voilà. Ah, c'est bon. Fondation en pierre pour enclos. Moi, je prends une dinoporte qu'on met là-bas. Et après, il va vous falloir. J'y étais. Hop. C'est le truc le plus chiant à faire, ça. C'est le truc le plus chiant à faire. Moi, c'est pas la première que je fais, donc je commence à avoir un peu le coup de main. Mais ça reste un peu pénible. Ça se fait, hein. Faut surtout pas perdre patience. Oh, pour celui-là. Et puis bien le mettre. Voilà, parce que vous voyez, là, des fois, il veut se mettre sur la fondation qui est derrière. Alors, donc ça, on a fait ça. Et maintenant, ben, il ne reste plus qu'à mettre les balustrades en pierre. Donc les balustrades en pierre, c'est pareil. Il faut faire un petit peu attention. Pour les premières, bien les mettre au-dessus. Puis après, on les monte ben, jusqu'en haut. Voilà. Qu'elles soient bien, bien droites, parce que parfois, elles se mettent pas bien. Elle se décale sur le haut, je sais pas pourquoi. Et du coup, ça fait moche. Après, vous êtes obligé de casser. Allez. Après, normalement, une fois que vous avez mis la base, après, ça va tout seul. On sauf certains qui sont toujours un peu récalcitrantes. Comme celle-ci, par exemple. Là. Ok, moi j'essaie de les mettre là. On peut passer en gamma 2. Voilà, c'est quand même plus joli comme ça. Ah, j'y étais. Bon, celle-ci a l'air de marcher un peu mieux. Ouais, c'est bon. Et j'en ai pas assez, donc je vais en faire. Je vais au moins faire le tour avec vous, puis après, ben, après c'est relativement simple, hein, il suffit de monter jusqu'en haut. Donc là, il m'en manque une, 5, 7, 9, pour faire le tour. Je sais plus si j'ai ce qu'il faut. Je vais aller rechercher du bois. Et de la pierre, alors du coup, au niveau pierre, je ne sais pas si j'ai encore ce qu'il faut. Là, oui, il va vous falloir pas mal de pierre hein, pour faire tout ça. Et ben, j'en ai plus. On va aller en chercher. Donc là, comme je vais commencer à ratisser un petit peu loin, ah ben, ça va repop là. Heureusement, je suis à un endroit relativement safe. Un endroit relativement safe. 6, j'ai dit 9 pour finir le tour. On va encore se chercher de la pierre ici. Tiens, on voit combien elle est? 60. Oh, ça commence à faire. Bon, de toute façon, là je peux en faire un paquet. Alors, j'ai un brontosaure qui a respawn. Enfin, je regarde quel est son level. Peut-être faire un brontosaure.
Combien niveau 90? Niveau 90, c'est pas mal. Niveau 90, c'est pas mal. Alors, donc, et sur ce côté-là, donc je ferai l'accès pour pouvoir décrocher des flèches du haut. Je peux savoir. Oh merde, je fais. Oh mais je suis nul là. Je suis nul. J'ai fait des fondations en pierre. Alors que ce qu'il me faut, c'est ça, des balustrades. Ah mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ah bon, bah, je suis obligé d'aller rechercher du bois et du bois tout le totim. Ah, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Hein. Je crois faire des balustrades et en fait je fais des fondations pour enclos. Ah bah là j'en ai un paquet. Ce sera pour. Oh putain. Tiens, bah, en attendant, je vais vous montrer un petit peu comment je procède. On va mettre un pilier, il en faudra un deuxième de toute façon, de l'autre côté. Putain, mais. Ah, c'est pas tranquille. Alors, le pilier, on va le mettre par ici. Voilà. Là, il est bien. Et puis, je mettrai. Je ferai la même chose de l'autre côté. Jusqu'à monter. Puis en haut, donc, je vais faire une plateforme. Une plateforme avec des plafonds en pierre. Donc en haut, j'aurai. Non, je vais vous montrer ça. Peut-être plus par là. Hop. Non, je ne l'ai pas appris encore. Je ne l'ai pas appris. L'équivalent à la cadre de trappe. Alors, cadre de trappe en pierre. Hop, on va la prendre. Et une échelle. Alors les échelles, normalement. Normalement, les échelles, je les ai. Voilà. Et il y aura des échelles d'autre côté. Et des balustrades aussi, pour pas tomber. Bah écoutez, voilà. Moi, je vais faire mes balustrades, pour le coup. Je vais faire mes balustrades et on se reprend pour finir la cage à timing. Alors, on va finir de poser ensemble ces balustrades. Hop. Enfin, le tour en tout cas. Hein. Parce qu'après, c'est un peu fastidieux. Après, c'est un peu fastidieux. Enfin bon, là aussi, hein, mais... Hop. Ce qu'il faut surtout, c'est bien les positionner. Une fois que vous avez trouvé la bonne position, on ne bouge plus. Il y en a, on ne sait pas pourquoi. Elles ne veulent pas se mettre comme il faut. Alors qu'il y en a, c'est direct. Alors, voilà, on en a posé deux. Alors, j'en ai fait une certaine quantité. Après, ça va plus vite. Hein. Hop. Voilà. Alors, deux, et on monte sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il en faut 14 par... 14 par porte. Donc 14 par 8. Je vous laisse. Merde. Ah non, c'est bon. Je vous laisse faire la multiplication. Voilà, j'en ai fait pas mal, mais ça va pas suffire. Ça ne va pas suffire.
15. Allez. OK. Et ben voilà, il faut que j'aille en refaire. Donc j'ai dit qu'il m'en fallait 14, donc 12 en fait, comme j'en ai déjà posé 2. Donc il m'en faut 24. 24 plus, plus on va dire une dizaine. Ah non, 12 moins 3, 24 plus 9, il m'en faut encore 33. Il m'en faut encore 33. Là, au niveau du bois, est-ce que je vais être bon? Au niveau du bois, ça va être juste. Je vais en chercher. Par contre, au niveau de la pierre, il faut que j'en refasse. Ouais, écoutez, bon, on se reprend dès que j'ai fini. Et puis, on va aller stammer un petit quelque chose. Hein, quelque chose à amener dans la cage. Voilà. Alors, on va commencer à mettre la plateforme. Donc, la cage est finie. Maintenant, il faut mettre la plateforme qui va permettre... Alors, normalement, là, ça devrait être bon. Je devrais être au même niveau en plus de ça. Alors on va les monter. Je pense qu'il va m'en falloir 4. Alors c'est là que les Athéniens s'atteignirent. Parce que là, il va falloir mettre les trucs. Donc, allons-y. Je peux pas le mettre comme ça. Ah, il faut que je mette d'abord une plateforme. Voilà. OK. Maintenant, on va la mettre de l'autre côté. Alors, on va venir se positionner comme ça et tout doucement. Voilà, super. On va essayer de se poser dessus. Non, il ne veut pas. Ok. Si, il va bien. Alors maintenant, on va mettre une trappe ici. Hop. L'autre trappe là, et j'ai plus qu'à mettre normalement deux fondations. Enfin, deux plafonds. Alors, on va les fabriquer tout de suite. On va les faire tout de suite. Je devrais avoir assez de bois pour en faire deux. Deux plafonds, pardon. Ok, par contre, maintenant il faut que je fasse les échelles, au moins sur un côté. Échelle, ah, il me faut de la fibre. Ok. Alors on va chercher de la fibre. Hop. La fibre, c'est pas ce qui manque, normalement. Je dis bien normalement. Eh ben si, j'en ai pas. J'ai dû tout passer, je sais pas où. Alors du coup, ah, lui il a gagné un niveau, c'est très bien. Du coup,
qu'on va ramasser là. Un petit clic droit. Ouais, je suis désolé. J'ai pris une petite baffe. Voilà, on se ramasse un max de fibres. Voilà, 200, ça devrait être bon. Mais j'augmente le poids. Alors, des échelles. Il va m'en falloir 3, il va m'en falloir 6 au moins. 3 de chaque côté. Alors, sur moi, j'ai bien ça. Et ben allez, on va commencer à mettre les échelles. Je crois qu'il va falloir que je monte. Du coup, les échelles, je vais les mettre dans ce sens-là. Ah ben non, pas forcément. Donc là, c'est pareil, c'est pas évident à mettre. Ok. Bon, je verrai si j'en mets une de plus, mais pour l'instant, ça devrait être bon. Hop, vas-y, descends. Oui. Je vais en mettre une de plus. Ça mange pas de pain, c'est plus joli. Allez. Par contre, est-ce que. Oui, c'est bon. Elle se met. J'en fais une autre. Ok. Et ben, il n'y a plus qu'à monter. À mettre. Hop. Oui. Oui. Bon. Du coup, il y a une petite différence de. Bon, ben, c'est pas grave, tant pis. Ah, ça m'embête ça. Ça m'embête. Bah écoutez, on sait ce qu'il reste à faire. Hein. Vous savez ce qu'il reste à faire. J'aime pas tellement. On va refaire des trucs. Ok, alors par contre, le problème, c'est que je vais pas pouvoir. Je vais pas pouvoir en mettre parce qu'il y a une longueur limite quand il n'y a pas de fondation. Donc c'est pour ça que j'ai mis les deux piliers dans un premier temps. Bon, c'est pas grave, on va y arriver, vous inquiétez pas. Et ensuite, en haut, je mettrai plutôt des rambardes en fer. C'est plus sympa, c'est plus fin. Voilà, c'est mieux. Alors j'ai refait la plateforme. Alors l'inconvénient, c'est que voilà, quand on met le plafond avant de mettre le pilier, c'est que le pilier généralement il dépasse un petit peu. Mais bon, là je peux pas y faire grand chose. Je ne peux pas y faire grand chose, mis à part casser les piliers là pour que ça fasse la même chose. C'est peut-être ce que je vais faire d'ailleurs. Essaye en bois, descend, merci. C'est peut-être ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais voir si. Alors si je le casse. Ça va être simple, du coup.
pour... Voilà. Ben écoutez, ça c'est plutôt... Ça reste en place. C'est bizarre parce que d'habitude il faut une fondation pour que ça... Ben, peut-être que les échelles font fondation. Je trouve ça un peu étrange, mais bon. Alors, est-ce que du coup... Est-ce qu'il me reste assez de bois et de pierre pour refaire 4 piliers? Non, je peux en faire 2. Je peux en faire 2. Voilà, ça devrait aller, je pense. Bon, hop, on va se reprendre du bois. Encore 2. Ok. Alors on va regarder ce que ça donne. Alors on va le descendre un peu. Voilà. Comme ça je pense qu'il sera. Il sera même niveau que l'autre. On va regarder ça tout de suite. Ouais, bon. Ça fait un truc qui ressort, mais au moins ça ressort des deux côtés. Sinon, ça fait moche. Sinon, ça fait moche. Bon, mais il n'y a plus qu'à mettre. Il n'y a plus qu'à mettre les remparts d'enfer. Bon, là, les remparts d'enfer, oui. Bon, là, par contre, il va falloir que j'aille. Alors, attendez un petit. Est-ce que par hasard. Est-ce que par hasard je pourrais pas refaire. Je vais refaire un plafond pour voir si ça. Bon, de toute façon, je peux pas en faire 2. Je vais regarder quelque chose. Parce que là, pour le coup, on est un petit peu éloigné du truc. Bah ouais. Ah, on va faire ça. Cool. Puis là, on est bien au-dessus. Qu'est-ce qui manque pour finir? De la pierre, bien sûr, toujours de la pierre. Voilà. Allez, on se prend un petit coup de dégâts, c'est pas grave. Et j'en ai plus. Quand on construit, on n'arrête pas. Hein. Allez, on va se reprendre un petit peu de pierre. De finir. Tu veux toujours pas te poser là, toi? Voilà, je sais bien que tu voulais. Oui, par contre, je sais pas si c'était vraiment une bonne idée. Je pense pas que c'était une bonne idée. Alors il va falloir que je fasse aussi un petit truc pour monter là, de manière à ce que ça fasse un peu plus sympa. Hop. Et ben voilà. Donc là du coup il va me falloir il va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. 12 remparts d'enfer. Ça, par contre, ça va me coûter cher. Je pense qu'il va falloir que. Il va falloir que j'aille chercher du fer parce que là, je vais clairement pas en avoir assez, je pense. Je pense que je vais pas en avoir assez. Depuis que j'ai cet argent à 10, je pense pas. Alors, je peux en faire combien là? 3 là, ah ouais, il en faut. Ouais, moi je peux en faire une. Je peux clairement en faire qu'une. Ok. Bon, on va la poser déjà. On va regarder ce que ça donne. Je vais poser ces matériaux là. C'est pas la peine que je les garde sur moi.
Je pense que ça devrait être pas mal. Ouais, ça a de la gueule. Ils sont superbes, ces rembarres d'affaires. Bon, bah écoutez, je sais pas où est-ce qu'on en est au niveau du temps d'épisode, mais je pense que c'est déjà pas mal. Et pour le prochain épisode, bah écoutez, on ira se mettre un petit truc là-dedans. On ira se mettre une petite bestiole. Je pense on va commencer à faire des loups. Des loups, des hyènes et des smilodons. J'aimerais bien avoir une petite tribu de hyènes pour partir un peu à l'aventure, ou une tribu de loups pour voilà, je sais pas, genre une dizaine de loups. Une dizaine de loups, ça serait pas mal. Bon, bah écoutez, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine fois. Puis la prochaine fois, tiens, je vais mettre aussi les trucs là pour que ça fasse plus joli pour monter ici. Voilà, donc la cage à timing, c'est un truc assez sympa à faire. Un peu long parce qu'il faut beaucoup de pierres, il faut un terrain plat de manière à pouvoir mettre. Donc moi je fais du 7 par 7, donc 49 fondations. C'est pas. Après ça dépend des endroits, c'est pour ça que je me suis mis ici, parce que c'est des endroits qui sont relativement plats. Voilà, voilà. Donc je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao, ciao.